Lui envoie quoi? La cellule. La cellule, c'est ça, vous allez bien. Laissez-moi, laissez-le le Dieu. Pour lui triturer les terres. Pour lui triturer les terres. Il a dit pour lui faire vivre, pour lui apporter le vivre. Tout ce que Dieu veut voir. Dieu veut voir les terres. Les terres, des poubelles. Regardez bien, ça fait partie des premiers miracles de voir que Dieu a testé à venir ici. Dieu l'a dit, serre ta main, c'est ton essai de bouche. Et c'est comme ça, et du coup, quand Moïse a serré son essai, c'était le courant. Hein? Ça fait quoi? Ça m'est devenu blanche. Sans aucune maladie, parce que, regardez les selles. Dans les selles, vous voyez les selles. Voilà. Dès que les selles existent, on met quoi? Son bois. Son bois, c'est son bois. On dit les selles, il n'y a pas de venir. Donc, du coup, tout ce qui est diable là, qui l'en mettait, qui lui donnait le charbon, s'efface. Les nains, on y appelle la dessert. C'est comme ça. Et c'est cette voie-là, c'est cette voie-là que Dieu nous envoie là. Ça, c'est la cédille. La cédille, c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est la cédille. Et qui fait cas, après la journée de réfléchir, la cédille lui vient automatiquement. Automatiquement, le 5 là, lui vient, et puis il apporte le guide. Il n'y a pas de rire. Le rire, là, c'est pas l'inspiration. Et puis, il continue son inspiration, il continue ses réflexions, et tout ça, c'est qu'il trouve la solution. C'est comme ça. On retient que tout ce que Dieu veut voir, Dieu veut voir les cieux. Dieu, c'est les cieux, les cieux qui sont en haut, qui sont les cieux qui sont en haut. Et quand tu fais comme ça, c'est que tu as fait quoi? Tu as élevé tes pieds. Et quand tu fais comme ça, quand tu as réfléchi, et que tu as soulevé tes paroles sur ton épaule. Et les yeux là que tu regardes, parce que en fait, quand tu fais comme ça, après la journée de réfléchir, tu veux réfléchir sur par rapport à tes pas pour montrer, tu veux réfléchir par rapport à la base de tes réflexions, c'est quoi tes rêves? C'est les rêves que tu viens de voir en sommeil. Donc, tu penses à quoi? Tu penses à. Les rêves, c'est pas que dans les yeux. Donc, à quoi je vais réfléchir, automatiquement, ces yeux-là, c'est quoi? Ils vont regarder, et quand tu en prends un cas comme ça, là, et que tu as soulevé tes fardeaux, et à ton épaule, et puis lui, à partir de ton épaule, lui, il ramasse tes fardeaux. Il ramasse tes fardeaux, et ces yeux-là ramassent tes fardeaux. Et cette parole-là, c'est quoi? C'est ces images-là qui sont quoi? Qui se dessinent dans les yeux de ceux qui te regardent. Écoutez, quand je te regarde, par exemple, tu verras ton image dans mes yeux. C'est comme ça. Ces images-là que tu vois dans mes yeux, là, tu vois, ce sont tes fardeaux que tes yeux ont transportés. Et les yeux ne vont jamais transporter les yeux là, c'est Dieu. Ils ne vont jamais transporter le cadeau là. Quand toi-même tu les amènes, tu ne les avais pas